Bonjour. Pierre fut le premier des disciples à professer sa foi en Jésus. C'est ce que l'on voit dans les textes bibliques. Si Jésus était encore parmi nous en chair et en os aujourd'hui, il choisirait des gens capables de leadership, d'intériorité, d'écoute, avant-garde, etc. Vous savez sûrement que Jésus connaissait très bien les apôtres avant même de leur demander s'ils voulaient le suivre. Jésus choisit Pierre. Imaginez-vous ce personnage. Jésus avait sûrement vu que Pierre était un homme exceptionnel. Pierre, un pêcheur, sûrement un grand travaillant. Je suis certain que tout le monde voulait travailler avec Pierre, car il était très dynamique, respectueux. Il écoutait facilement les gens, et etc. Moi, je l'appelle Pierre le populaire, mais pas centré sur lui-même. En observant l'Église institution d'aujourd'hui, c'est évident que plusieurs d'eux ne seraient pas choisis par Jésus. Eh oui, ils se sont placés là pour diriger. L'Église est perçue aujourd'hui comme une institution basée sur des intérêts de pouvoir et des manigances. Aujourd'hui, elle est jugée peu crédible, alors que les messages et les comportements de certains représentants religieux continuent d'éloigner les gens. Savez-vous ce qui est le pire? C'est que les gens sont devenus indifférents. Je me souviens, quand j'ai fait mes études, un professeur à l'université disait au sujet de l'indifférence: l'indifférence religieuse ne nie pas, ne s'oppose pas, ne conteste pas, ne méprise pas, ne dit pas qu'elle ne sait pas. Rien n'est plus fatal à la religion que l'indifférence. Et on est rendu là. Incroyable, hein? L'Église primitive, c'était une douzaine d'apôtres et quelques femmes dans un deux pièces des bas quartiers de Jérusalem. J'ai toujours gardé espoir en cette Église si elle est animée par l'Esprit. Aujourd'hui, avec le pape François, on se dit que l'Église va peut-être changer plus vite qu'on ne le pense. Est-ce qu'il y a des choses à changer? Oh que oui! Le pape François semble décidé à modifier un certain nombre de choses. C'est pour cela que je prie du fond de mon cœur pour cet homme, pour le pape François, tous les jours. Si tu fais partie de cette Église, on comprend que pour faire changer les choses, il faut bien connaître l'Église et bien connaître aussi les circonstances provisoires et passagères de la société dans laquelle elle se trouve, auxquelles elle devrait ou pas s'adapter. Cela fait beaucoup de choses à connaître avant d'agir. Ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité de voir et comprendre. Voici une belle hymne. Un grand vent s'est levé. Le vent, c'est sûrement l'Esprit de Dieu dans cette prière. Et la voici. Un grand vent s'est levé dans la maison des apôtres. En toute langue, on entend publier les merveilles de Dieu. Peuple, comprenez et chantez. Béni sois-tu, Esprit créateur, qui renouvelle tout l'univers. Alléluia.
royaume de la terre. Chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Amen. Bonne journée à toi.